Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Better than Reggie Miller, better than Ray Allen, better than Jason Terry as a shooter, better than his own father, Del Curry. Better, better, better. Tu connais certainement Stephen Curry comme le MVP que tout le monde apprécie. Mais sais-tu qu'il y a 15 ans, il n'était même pas prévu qu'il joue en NBA ? On ne sait jamais ce qu'il peut arriver dans la vie, et cette histoire en est le parfait exemple. Stephen Curry est né le 14 mars 1988 à Akron dans l'Ohio. Oui oui, les deux meilleurs joueurs NBA actuels sont nés dans la même ville et dans le même hôpital en plus. Le meneur va grandir à Charlotte, là où son père, Wardell Curry, joueur professionnel en NBA à l'époque, évoluait sous les couleurs des Hornets. Étant enfant, Stephen souhaitait logiquement voir les matchs de son père, mais sa mère Sonia refusait systématiquement car les matchs étaient tard et qu'il avait école le lendemain. La mère de Curry était assez stricte. Pour elle, les règles de famille et l'école passaient avant le basket et tout le reste. The big middle school game or his first middle school basketball game, and he didn't do his chores the night before and he didn't get to play that first game. That is absolutely true. We only work as a family if everybody does their part. So would you say you were strict? Curry a également un frère, Seth Curry, qui joue aussi en NBA, et une sœur nommée Sydell Curry, qui elle pratique le volleyball. Curry a donc passé les 10 premières années de sa vie à Charlotte. Il faisait du basket, du foot US et du baseball. Tout le monde savait qu'il aimait le basket, mais c'est à Toronto, quand son père était vétéran dans l'équipe des Raptors, que le jeune prodige commença réellement à aimer ce sport. Il sortait jouer au basket régulièrement. Qu'il pleuve ou qu'il neige, rien ne pouvait l'arrêter. Son père commençait à l'emmener à ses séances de tir pour qu'ils puissent s'entraîner ensemble. Et c'est à partir de ce moment précis que l'éthique de travail du jeune prodige tapa dans l'œil d'un joueur en particulier. Vince Carter, qui jouait donc avec le père de Steph aux Raptors à ce moment-là, était subjugué par l'assiduité de Curry à un si jeune âge. Steph et Seth Curry avaient toujours un ballon avec eux et une adresse impressionnante pour leur âge. Curry avait déjà cette mentalité de tueur. Avant tous les matchs à domicile, il demandait à Vince Carter s'il pouvait l'affronter en 1 contre 1. Il se donnait à fond pour progresser et avait déjà compris que c'est en affrontant les meilleurs joueurs que l'on devient plus fort. En arrivant au lycée, Steph intègre l'équipe de Charlotte Christian. Il était loin d'être une superstar, et à la fin de sa deuxième année de lycée, Curry mesurait seulement 1m78 pour 58 kg. En plus de ça, il n'avait jamais changé son shoot qui partait de très bas, et en associant ça à sa taille, Curry finissait souvent par se faire contrer. Son père lui répétait sans cesse qu'un joueur de basket est censé tirer au-dessus de la tête, ou au minimum au niveau du menton, mais Curry tirait presque au niveau de sa hanche. Dell Curry lui a logiquement appris à shooter de plus haut, et ça a changé pas mal de choses. Le jeune joueur a travaillé dessus tout l'été et a également grandi. Il mesure maintenant 1m80 et est capable de tirer par-dessus ses adversaires. Quelques mois plus tard, Stephen Curry fait la rencontre de Ayesha, qui deviendra sa femme par la suite. Une histoire assez folle puisqu'ils se sont perdus de vue plusieurs fois, avant de finalement se mettre en couple vers ses 19 ans. Durant son année junior, Curry tourne à 20 points par match, mais ne reçoit aucune offre universitaire. La seule équipe intéressée était Virginia Tech, mais il lui proposait seulement de venir pour étudier, et non pas pour jouer au basket. Curry va donc travailler d'arrache-pied tout l'été pour être sûr de décrocher une bourse universitaire lors de sa dernière année de lycée. Steph mesure maintenant 1m83 et finit par obtenir une bourse à l'université de Davidson, une petite université méconnue par le grand public. Le coach pensait avoir trouvé le joueur qui allait changer l'histoire de son école. Et devine quoi? Il avait totalement raison. Le jeune joueur expose tout et met en avant l'université à travers ses exploits. Tout le monde voulait voir Curry jouer et il va même mener son équipe au tournoi de NCAA en étant freshman. Les Wildcats de Davidson dominent leur conférence et terminent à la première place avec un bilan de 29 victoires pour 5 défaites. Avec 21,5 points de moyenne, Curry termine meilleur marqueur de la conférence, mais il fait encore mieux lors de sa deuxième année. Curry réalise de grosses performances et finit la saison à 25,8 points par match. Il mesure maintenant 1m91 et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs universitaires. Absolument tout le monde pensait qu'il était au maximum de ce qu'il pouvait faire et qu'il devait en profiter pour aller jouer en NBA. Mais comme tu le sais, Stephen Curry n'a aucune limite. Il annonce aux médias qu'il souhaite rester en NCAA une saison de plus pour développer ses qualités de meneur de jeu. C'est lors de sa troisième année universitaire qu'il explose tout. En tournant à 28,6 points pour presque 6 passes décisives par match, Curry devient le meilleur marqueur de l'histoire de Davidson et va logiquement s'inscrire à la draft NBA. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il ne voulait pas jouer aux Warriors. La jeune star avait une autre destination en tête. Golden State possédait le choix de draft juste avant New York, et désolé pour les fans des Knicks, mais vous connaissez la suite.
With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. The 6'3 junior guard out of Davidson, quite simply, is the best shooter in the draft. La plupart des gens pensaient que Curry n'allait pas tenir en NBA, à cause de son manque de physique ou de sa faiblesse défensive. Mais il a su transformer ses critiques en motivation tout au long de sa carrière, et ça n'a donc pas du tout impacté son entrée dans la ligue. Curry montre dès le début de quoi il est capable. Auteur d'une première saison aboutie individuellement, il est logiquement récompensé par une sélection au Rookie Challenge lors du All-Star Weekend. Stephen termine deuxième des votes pour le trophée de Rookie de l'année, juste derrière Tyreek Evans, et finit la saison à 17,5 points et 6 passes décisives, à 43% au shoot à 3 points. C'est franchement pas mal pour une première année, mais il perdait tout de même 3 ballons par match. Et la petite anecdote marrante, c'est qu'il devait payer sa mère 100$ à chaque fois qu'il perdait un ballon en match. De cette façon, il lui faisait plaisir tout en essayant d'être plus efficace sur le terrain. Le bilan collectif est un peu moins brillant, et les Warriors terminent à la 13ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 56 défaites. Curry est resté constant au niveau de ses stats pendant les 2 années qui suivent. Il partageait le terrain avec la star de l'époque Monta Ellis, et n'était donc pas la première option offensive. Au tir comme dans la gestion du jeu, il continue de progresser et le meneur finit sa deuxième année avec 18,6 points et 6 passes décisives. La saison 2011-2012 est beaucoup plus compliquée pour le meneur. Opéré de la cheville pour une déchirure des ligaments dès la fin de saison précédente, Curry se blesse à nouveau à quelques jours du début de saison. Malgré ça, le meneur tente de jouer et fait de nombreux allers-retours entre le parquet et l'infirmerie. En ne participant qu'à 26 matchs sur 66, Curry s'attire une réputation de joueur physiquement fragile. De plus, ses statistiques sont à la baisse. Il termine difficilement sa saison avec 14 points et 5 passes de moyenne après avoir officiellement mis un terme à celle-ci en mars pour une nouvelle opération à la cheville. Curry a même failli être échangé contre Bogut pour aller jouer à Milwaukee, mais les Bucks n'ont pas accepté car le meneur était trop souvent blessé. C'est également en 2012 que naît son premier enfant, Riley Curry. Après 3 saisons NBA, personne ne doutait de ses capacités à scorer, mais les Warriors ont affiché un triste bilan de 85 victoires pour 145 défaites, ne terminant jamais plus haut que la 12ème place de la Conférence Ouest. C'est durant ces 3 années décevantes que la fondation de la future dynastie des Warriors prend forme. Les Warriors sont rachetés par un nouveau groupe d'actionnaires et les choses changent radicalement. Mark Jackson est embauché pour remplacer l'ancien coach, le staff décide finalement d'échanger Monta Ellis contre Andrew Bogut, les Warriors draftent Klay Thompson et Golden State commence à se renforcer défensivement pour laisser libre place aux qualités offensives hors normes de Stephen Curry. Les Warriors misent sur leur jeune star et Steph signe un contrat de 4 ans pour 44 millions de dollars. Curry s'impose comme l'un des meilleurs meneurs de la ligue et le leader de cette jeune équipe des Warriors en tournant à 23 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne. Il réalise son record en carrière avec 54 points contre les Knicks, dont 11 tirs à 3 points réussis, et termine cette saison avec un total de 272 tirs à 3 points marqués. La progression de la nouvelle star des Warriors se ressent sur les résultats de l'équipe. En terminant à la 6ème place de la Conférence Ouest, l'équipe de la baie d'Oakland retrouve les playoffs pour la première fois depuis 6 ans. Malgré le manque d'expérience de Curry et du bon nombre de ses coéquipiers comme Klay Thompson, Harrison Barnes ou encore Draymond Green, les Warriors éliminent Denver en 6 matchs et atteignent les demi-finales de conférence pour y affronter les Spurs. Malgré un premier match record de Curry avec 44 points, Golden State finit par perdre en 6 matchs. Curry semble avoir pris une nouvelle dimension et se relève clairement aux yeux du grand public. C'est aussi cette année qu'il décide de donner 30$ pour chaque 3 points qu'il mettra dans sa carrière à l'association Nothing But Net pour combattre contre les problèmes de malaria en Afrique. Curry va également reverser de l'argent pour chaque paire de chaussures qu'il vendra et effectuera un voyage en Tanzanie pour aider dans les hôpitaux et s'adresser aux citoyens locaux. Il a fait beaucoup de choses pour promouvoir cette association et récolte de l'argent auprès de grands noms incluant plusieurs de ses coéquipiers et même le président Obama. Avec une nouvelle bonne saison tant individuellement que collectivement, Curry voit son statut prendre de l'ampleur. Il est ainsi choisi par le public pour être titulaire du All-Star Game de 2014. Steph finit la saison avec 24 points et 8,5 passes de moyenne et est logiquement nommé dans la deuxième All-NBA Team. Les Warriors finissent à la 6ème place et affrontent les Clippers au premier tour des playoffs, mais Golden State finit par se faire éliminer en 7 matchs. À ce moment-là, Curry est considéré comme une jeune star et plusieurs marques comme Nike ou Under Armour souhaitaient qu'il soit leur prochaine égérie. Mais l'une de ces deux marques a totalement foiré son coup. Et comme par hasard, c'est Nike. Ils ont invité Curry et son père pour leur présenter le projet, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Au début de la réunion, ils ont séparé les joueurs qu'ils avaient sous contrat en 3 catégories selon leur niveau. C'était vraiment un bad move, puisque Curry était placé dans la dernière catégorie.
Mais ça ne s'arrête pas là. Nike lui propose un contrat de 2 millions de dollars, ce qui était deux fois moins élevé que la concurrence. Et pour continuer sur cette lancée, ils ont eu la superbe idée de lui présenter un projet sur PowerPoint. Mais pas n'importe lequel. Le même PowerPoint qu'ils avaient utilisé pour Kevin Durant. Ouais, moi aussi j'ai été choqué en apprenant ça. Mais c'est toujours pas fini. À la fin du meeting, la personne qui présentait le PowerPoint l'a appelé Stephen Curry, avec un A, et pas Stephen. Le meneur a logiquement rejoint Under Armour, et il a bien fait. Il gagne des millions et a maintenant sa propre marque, tout comme l'a fait Michael Jordan avec Nike. Durant l'été 2014, les Warriors se séparent de leur entraîneur Mark Jackson et engagent Steve Kerr. Ce changement, associé à l'expérience engrangée par les joueurs lors de ces deux dernières saisons, s'avère plus que bénéfique. Les Warriors réalisent une saison historique et terminent avec le meilleur bilan de leur histoire, 67 victoires pour seulement 15 défaites. Quant à Curry, leader de cette nouvelle équipe attractive, voit sa cote de popularité exploser cette saison. Le projetant au rang de superstar, le meneur est publicité par les fans pour le All-Star Game de 2015 et termine ainsi premier des votes devant LeBron James. Golden State est sur une nouvelle dynamique, il joue en small ball et bombarde à 3 points. Curry n'a plus de limite et prend des shoots du logo, enfin bref, la machine est lancée. Il sort sa première signature shoes, la Curry One, et sa deuxième fille, Ryan Curry, arrive dans la famille. Le 4 mai 2015, Steph est nommé MVP devant James Harden et LeBron James. Il devient ainsi le premier Warrior à remporter ce trophée depuis Chamberlain en 1960. Premier de la NBA au terme de la saison, les Warriors de Curry écartent d'abord les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, puis ils passent ensuite les Grizzlies en 6 rencontres pour rejoindre les finales de Conférence Ouest. Golden State écrase Houston 4-1 et atteint les finales NBA face aux Cavaliers de LeBron James. Face à un LeBron James inarrêtable, mais trop seul, les Warriors remportent l'ultime série 4-2 et décrochent leur premier titre de champion NBA depuis 1975. La saison 2015-2016 commence de façon spectaculaire. Curry et les Warriors enchaînent 24 victoires, ce qui est le meilleur départ d'une équipe, tout sport américain confondu. Steph continue à jouer à un niveau exceptionnel, lui permettant de devenir All-Star pour la troisième fois de sa carrière. Il inscrit 402 tirs à 3 points durant la saison, battant largement son propre record qui était de 286. Curry est seulement le deuxième joueur de l'histoire à réussir une saison avec au moins 50% de réussite globale au tir, 45% derrière la ligne à 3 points et 90% au lacet franc. Il termine meilleur marqueur avec 30 points de moyenne et meilleur intercepteur de la ligue. Les Warriors finissent la saison régulière avec 73 victoires pour seulement 9 défaites et battent le record des Chicago Bulls. Steph est logiquement nommé MVP pour la seconde année consécutive et devient le premier joueur à être élu à l'unanimité. Après avoir gagné 88 de leurs 103 derniers matchs, les Warriors mènent 3-1 contre les Cavs en finale NBA. Mais LeBron et Kyrie réussissent à ramener leur équipe à égalité en enchaînant des performances exceptionnelles, jusqu'à un match 7 où Cleveland finit par l'emporter. C'est une fin de saison extrêmement frustrante pour Curry, qui n'a pas pu jouer à 100% à cause de certaines blessures. Durant l'été, il décide de jouer au golf afin de se changer les idées, et devient un excellent golfeur. Il souhaite avoir un impact dans ce sport et offre de nombreuses bourses d'études au programme de golf de l'université d'Howard. Peu de temps après, Curry est nommé ambassadeur de la PGA Junior League. Lors de l'été 2016, les Warriors signent Kevin Durant et créent l'une des premières super teams. Avec Curry, Durant, Thompson et Green, Golden State réaliseront un bilan de 135 victoires pour 39 défaites lors des deux prochaines années. Ils ne perdront que 6 matchs en playoff et finiront deux fois champion NBA d'affilée. Même si Durant était vu comme le joueur le plus clutch de l'équipe et gagne deux titres de MVP des finales, il ne faut pas oublier le niveau de jeu qu'a eu Stephen Curry lors de ces deux années. Il tournait tout de même à 26 points, 6 passes et 4 bonds de moyenne, ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'il est entouré de gros scoreurs. En 2017, Stephen Curry signe le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, 5 ans pour 201 millions de dollars. Il devient alors le joueur le mieux payé de toute la ligue. Curry compile également plusieurs records lors de ces deux années. Il est le plus jeune joueur à atteindre 1603 points marqués en carrière. Il a réalisé la plus longue série de matchs avec au moins un 3 points marqué, avec 157 matchs consécutifs, et a inscrit le plus grand nombre de 3 points marqués en un match, avec 13 unités. Il bat de nombreux records de franchise, et le sniper est logiquement élu deux fois de plus au All-Star Game. Les blessures ont fortement diminué les performances des Warriors cette année-là. Curry réalise une bonne saison avec plus de 27 points par match, et Golden State arrive jusqu'au final NBA. La super team est diminuée, et sans Kevin Durant et Klay Thompson, les choses se compliquent. Le coach de Toronto a utilisé une défense de boîte, une stratégie très peu utilisée en NBA, mais qui a radicalement diminué l'impact de Curry sur son équipe. Ils perdent malheureusement les finales face aux Raptors 4-2, malgré 30 points de moyenne de Curry lors de la série, et une pointe à 47 points lors du match 3.
Après ce qui vient de se passer, Curry subit de nombreuses critiques, et les médias et les fans se lâchent. Entre la finale perdue sans KD, la remontée de Cleveland en 2016, et le fait que Curry sorte de 5 finales sans avoir gagné un titre de MVP, les gens commencent à douter de ses réelles capacités, et ces tristes étapes laisseront pour toujours un goût amer à son incroyable histoire. À l'aube de la saison 2019-2020, Steph était de retour en tant que première option offensive puisque Klay Thompson est blessé et Kevin Durant a quitté les Warriors. Mais malheureusement, Curry se blesse lors du 4e match de la saison et termine en n'ayant joué que 5 matchs. Les Warriors sont classés derniers de la conférence Ouest avec 15 victoires pour 50 défaites en raison de nombreuses blessures et d'un faible effectif. Le meneur est au plus bas mais décide de profiter de sa rééducation pour progresser. Lors de cette saison, Steph est déterminé à faire taire les haters et enlever tous les doutes qu'on peut avoir à son égard. Les Warriors se retrouvent une nouvelle fois sans Klay Thompson, obligeant Curry à prendre toutes les responsabilités en attaque. Le 23 janvier, il devient le deuxième meilleur marqueur de la NBA en dépassant Reggie Miller. Quelques jours plus tard, il a inscrit 62 points face aux Blazers et fait comprendre à tout le monde qu'il est bel et bien de retour. Curry a travaillé tout l'été sur des moves qu'il n'utilisait pas auparavant et revient plus confiant que jamais. Il tourne actuellement à 32 points, 5 passes et 5 rebonds de moyenne avec des pourcentages absurdes. 48% à 2 points, 42% à 3 points et 92% en lancé franc. D'un point de vue individuel, il marche clairement sur la ligue, mais collectivement, c'est autre chose. Golden State s'est pris pas mal de gros scores et ils ne sont pas sûrs de se qualifier en playoff. Ils sont actuellement 8e de la conférence et vont certainement se retrouver en play-in. Ça fait maintenant 8 ans d'affilée que Steph Curry se qualifie en playoff et j'ai du mal à croire que cette série va s'arrêter là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Énormément de choses ont changé en quelques décennies, à commencer évidemment par la domination du shoot à 3 points, et cette révolution, personne ne l'incarne mieux que Steph Curry. Il détient le record de 3 points marqués en une saison, en NBA et en NCAA. Tout ça sans jamais avoir eu un pourcentage à 3 points plus bas que 40%. Il est tout simplement unique. Curry a été nommé 6 fois All-Star Game, possède 6 nominations dans les équipes All-NBA, 2 titres de MVP et est 3 fois champion NBA en 11 saisons. Mais son impact ne s'arrête pas qu'aux stats. Il a changé à tout jamais la NBA actuelle et le basketball dans le monde entier. Curry a normalisé les tirs que l'on pensait impossibles il y a plusieurs années. Il mérite d'être dans la discussion des plus grands joueurs de tous les temps. Le monde du basketball est différent de nos jours, et c'est en partie grâce à Stephen Curry.